Alors, je suis accompagnée d'Antoine et Elvire qui vont m'aider à décorer des petits sablés. Donc, j'ai déjà fait en amont une préparation pour biscuits. Et ensuite, j'ai utilisé des petits emporte-pièces pour découper les biscuits. J'ai également utilisé du papier. Donc ça, c'est une feuille de papier qui va permettre d'imprimer les sablés. J'ai déposé ça sur la plaque du four et ensuite j'ai déposé la pâte dessus. Et lorsque les biscuits sont cuits, on les ressort du four et ils sont imprimés. Donc maintenant on va passer à la décoration. On va faire des petits biscuits garnis avec de la pâte à tartiner. Là on a des saveurs un petit peu originales, guimauve, banane bonbon, fraise bonbon. Et aussi, on a barbe à papa. Tu veux quelle couleur, Antoine? Moi, je vais prendre guimauve. Guimauve, ok, super. Maintenant, en fait, on va les décorer avec un petit glaçage et du colorant alimentaire. On a une préparation. Donc, c'est une préparation qui va permettre de faire un glaçage. Il faut juste ajouter un petit peu d'eau. Là, je vais mettre 2 cuillères à café environ. On met un petit peu d'eau, pas trop, je vais les remuer et on va voir si la consistance nous convient. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut travailler avec le pinceau, donc un peu comme de la gouache. Je vais te demander, Antoine, de mettre une petite goutte de colorant. Voilà, c'est parfait. Parfait. Je te donne une petite cuillère et puis tu peux remuer. C'est bien là? Ah oui, super. Très beau bleu. Alors là, on a 4 belles couleurs. Maintenant, on va prendre des pinceaux. Et on peint. Voilà, c'est ça. C'est tout bête. C'est très beau. Et ben, c'est parfait. Hop, je les mets ici dans l'assiette. C'est une bonne nouvelle, on va pouvoir manger. Oui. Moi, je vais prendre le mien. Je vais prendre un fouet. Allez, ben moi je vais faire une petite théière. Mmh. C'est bon, hein? Mmh, ouais, super bon. Tout le monde a vu comment réaliser des magnifiques petits biscuits. Maintenant, à vous de jouer chez vous, à la maison.